32e numéro de la semaine des pros, nous commençons avec la première division anglaise. Aston Villa a enfoncé Burnley sur le score de 3-1. Bertrand Traoré est resté remplaçant avec les Villains qui remontent à la 11e place du classement. Première division allemande, 33e journée, menée 2-1 à 20 minutes du terme. Le Bayer Leverkusen a renversé la situation en s'imposant finalement 4-2 contre Hoffenheim. Leverkusen se qualifie ainsi pour la phase de groupe de la Ligue des Champions 2022-2023. 90 minutes de jeu pour Edmond Tapsoba qui a reçu une note de 7,40 sur 10 sur SofaScore. À une journée de la fin du championnat, les Rouges et Noirs qui termineront à la 3e place prennent ainsi 4 points d'avance sur le 4e Leipzig et 6 points sur Freiburg 5e. Première division française, 36e journée, l'Estac Troyes de Issa Kabouré a accroché le Paris Saint-Germain sur sa pelouse, 2 buts partout. Un excellent résultat pour le promu qui se rapproche ainsi grandement du maintien. Une bonne prestation du latéral droit qui a disputé l'intégralité du match. L'Olympique de Marseille a battu l'Orient de Dango Ouattara sur le score de 3-0. Ouattara est entré en jeu à la 61e minute. Au classement, l'Orient occupe actuellement la 17e place à 3 longueurs d'avance sur le 18e Saint-Étienne qui a un match en moins. Première division russe, 28e journée, l'Akhmat Grozny s'est imposé 1-0 contre le FK Nizhny Novgorod. Entré en jeu à la 46e minute, Mohamed Konaté a délivré la passe décisive sur l'unique but de la partie. L'Akhmat Grozny est classé 8e au championnat. Première division belge, le Sporting Charleroi avec Hervé Kofi dans les buts a décroché le match nul 2 buts partout en fin de match contre le Racing Club de Genk pour le compte de la 3e journée des Euro Playoffs de la Jupiler Pro League. La qualification en Ligue Europa Conférence s'éloigne pour les Zèbres qui ont fait 2 défaites et 1 match nul en 3 rencontres de playoffs. Première division américaine, 11e journée, les Earthquakes de San José de Ousseli Bouda ont gagné 1-0 contre le Rapid Colorado. L'ailier burkinabé est resté remplaçant. Première division suisse, 25e journée, le FC Bâle de Yacouba Nassedjiga, 2e, et le FC Lausanne se sont séparés sur un score nul vierge de 0 but partout. Le jeune défenseur burkinabé est resté sur le banc. Première division moldave, 27e journée, déjà champion de la Moldavie. Le Sheriff Tiraspol a fait match nul samedi contre Milsami, 1 but partout. Cédric Badolo a délivré la passe décisive sur le but égalisateur de son équipe. Première division chypriote au barrage, Laris Limassol de Stiviago a décroché le match nul 1 but partout en fin de rencontre face à l'AEK Larnaca. Le polyvalent défenseur burkinabé a joué toute la partie. Première division arménienne, le FC Ararat Armenia, 2e, a battu 2-0 le FC Novarank. L'ailier burkinabé Zakaria Sanogo a disputé l'intégralité du match. Le FC Noa de Draman Salou, 5e, s'est incliné 2-1 contre le leader, le FC Punique. Le milieu du terrain burkinabé a disputé tout le match. Deuxième division française, 37e journée, samedi 7 mai 2022, le Toulouse FC de Mamadi Alex Bangré a battu Nîmes 2-1 et devient ainsi le champion de France de la Ligue 2 dans une ambiance survoltée au Stadium. L'AC Ajaccio a été accroché par Grenoble, 1 but partout. Cyril Bayala, blessé à la cheville, et Boutué Kwame étaient absents du groupe. L'ACA conserve actuellement sa 2e place, mais ne possède plus qu'un point d'avance sur Auxerre, vainqueur au Havre, 2-1. Il faudra gagner samedi prochain pour la réception de Toulouse pour espérer accéder directement en Ligue 1. Le Stade Malherbe, camp de Brahim Traoré, 7e, a pris le dessus sur Kevili Rouen de Gustavo Fabrice Sangaré sur le score de 2-1. Le jeune défenseur franco-burkinabé était avec la U19 de Caen qui se sont inclinés au tir au but contre Lyon en finale de la Coupe Gambardella. Quant au milieu de terrain, il a disputé l'intégralité de la rencontre. Sauf retournement de situation, Kevili Rouen, 18e, ira chercher son maintien en barrage. Grâce à un court mais très précieux succès face à Sochaux 1-0, Valenciennes a acquis son maintien en Ligue 2. Abou Ouattara n'était pas sur la feuille de match. Troisième division italienne, les playoffs, la SSS Monopoly de Abdul Razak Gebre s'est inclinée 2-1 contre le Cesena. Le latéral gauche a disputé toute la rencontre. Le match retour est prévu le jeudi prochain. Troisième division espagnole, 35e journée, le CD Tudelano de Basiru Compaoré
a étrié le Racing de Santander sur le score de 3-0. L'avant-centre burkinabé a disputé 75 minutes de jeu. La réserve de Betis Séville enchaîne un second succès consécutif en s'imposant 3-2 contre Alcoyano. Abdul Bandaogo est entré en jeu à la 70e minute. Première division égyptienne, le Pyramide FC s'est imposé 2-0 chez le Smoua SC. Flati Ibrahim Touré a disputé l'intégralité du match. Eric Traoré, de son côté, est entré en jeu à la 85e minute. Grâce à cette victoire, le Pyramide FC s'empare provisoirement de la deuxième place du championnat. Première division marocaine, 23e journée, l'OC Safia a pris le dessus sur le Youssoufia. Berichir, 3-2, titulaire, Cheikh Djibril Ouattara a inscrit le troisième but de son équipe. Hassani Agadi de Patrick Malo s'est incliné 1-0 contre le SCC Mohamedia, titulaire, le défenseur burkinabé a cédé sa place à la 70e minute de jeu. Le FUS Rabat et l'Olympique de Kouribga se sont neutralisés 1-0. Soumaïla Ouattara est resté sur le banc. Première division algérienne, la GS Kabylie, 4e, a tenu tête au leader, le CRB Louizdad, 0-0. Mohamed Lamine Ouattara était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. L'USM Alger de Ahmed Belem a dominé MA Tlemcen sur le score de 2-0. L'ailier burkinabé est entré en jeu à 5 minutes de la fin du match. Coupe de la Confédération africaine de football, demi-finale aller pour terminer ce 32e numéro de la semaine des pros sur Face au Sport. La RSS Berkane de Issoufou Dayo a perdu 1-0 en RD Congo face au TP Mazembe. Le défenseur burkinabé a disputé l'intégralité de la partie. Le match retour est prévu le dimanche prochain au Maroc. Madame, messieurs, c'est tout pour ce 32e numéro de la semaine des pros. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, et surtout la partie importante, n'oubliez pas de vous abonner à Face au Sport TV pour rester permanemment en contact sur l'actualité des professionnels burkinabés d'ici et d'ailleurs.